Salut à tous, Jérôme pour RFPV. Toutes les images que vous venez de voir sont des extraits de vol que j'ai fait pendant mes vacances avec le Geno 3 pouces équipé de son Air Unit O3. Et c'est justement ce O3 qui fait la différence et qui prend toute son ampleur dans une machine à ce format. Alors évidemment, je parle du Geno parce que c'est avec lui que je vole, mais le potentiel est bien là avec n'importe quel frame 3 pouces ou 3 pouces et demi qui a été bien conçu. Je vais donc vous présenter rapidement. Ce petit châssis, on verra ce qu'il sait faire en freestyle, en cinématique à la montagne et même en bandeau dans le hachoir aquad de la team des bandeaux que je salue au passage. Et enfin, j'en profiterai pour vous faire un petit retour sur le O3 avec quelques astuces concernant mon utilisation et mes réglages. Alors il y a 2-3 ans de ça, j'avais été totalement conquis par le fantôme, qui a été renommé ensuite Smart HD de chez euh, Gepercy. Voilà, cette petite bestiole. Euh, C'est un petit quad qui est discret, équipé d'un vista, qui était super agile et joueur dans les spots très très serrés. Avec Olivier Ayasno Nochamo, l'autre papa du Geno. On voulait lui trouver un successeur, mais cette fois-ci en O3, et ça a été le point de départ qui a mené à la naissance du Geno 3 pouces. Cet été, je l'ai baladé un peu partout en vacances, euh, en rando comme en bandeau, et le résultat a dépassé euh, toutes nos attentes, au point d'ailleurs de faire cette vidéo qui n'était pas du tout prévue. Ce petit quad qui se destinait humblement à un usage de jardin est finalement super versatile, que ce soit pour du freestyle sur tout type de spot, petit comme grand, évidemment du cruising du mid cinématique et même du bandeau. Il est silencieux, solide, agile, puissant et ramène de belles images grâce à son O3. Vous avez eu un aperçu dans l'intro et j'essaie de glisser quelques extraits au long de cette vidéo mais vous retrouverez les liens des versions complètes dans la description sous cette vidéo si ça vous intéresse. Le Geno 3 pouces est donc un châssis open source prévu pour le O3 mais qui reste compatible avec tous les autres systèmes vidéo du marché à l'exception de la toute première euh, génération d'Air Unit qui était des, des groupes pavés euh, gris. Il reste le petit frère du Geno 5 pouces donc on retrouve une cage caméra en carbone avec des plaques de 2,5 mm d'épaisseur pour garantir une bonne solidité. On ne veut toujours pas entendre parler de Dead Cat, donc on reste sur une configuration wide X, mais ça ne nous empêche pas d'avoir un fauve 100% dégagé. Donc ni châssis ni hélices ne sont visibles dans le champ de vision. En plus d'être agréable, c'est évidemment un point important pour un usage cinématique. Pour info sans lipo, il pèse 167 grammes et il reste sous la barre des 230 grammes avec une lipo 4S de 560 mAh. On voulait une machine assez légère et pourtant euh, très solide, ce qui nous a amené à un choix plutôt inattendu de l'Unibody. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de bras séparés, mais les bras sont intégrés à la bottom plate. Alors, si je dis inattendu, hein, c'est parce que j'ai toujours été plutôt réfractaire à l'Unibody pour les quads d'une taille inférieure ou égale à 2,5 pouces. Mais ce qui fait toute la différence ici, c'est qu'on a opté pour une bottom plate de 4 mm d'épaisseur. Ça nous permet d'avoir quelque chose de super solide et rigide sans être pour autant trop lourd ni imposer l'utilisation de carbone T700. Un des inconvénients de l'Unibody, c'est qu'en cas de casse d'un bras, ça nous oblige à remplacer toute la bottom. Le mien, qui a été découpé en T300, donc pas le plus euh, solide des carbone, il a pris de grosses, grosses pelles, hein, je vous en mettrai euh, en surimpression, y compris en bandeau, il se porte toujours bien, je n'ai jamais rien cassé encore sur ce châssis, pour le moment je n'ai pas vu un seul cas de casse de de 3 pouces et pourtant je sais qu'il y en a qui le maltraitent vraiment bien. Comme toutes les frames évidemment, elle n'est pas incassable, mais euh, je peux vous assurer qu'elle tient euh, vraiment bien la route niveau solidité. L'autre inconvénient de l'Unibody, c'est en général sa mauvaise gestion des vibrations. Là encore, euh, les 4 mm font des miracles. On va prendre juste quelques secondes pour regarder une black box et voir euh, à quoi ça ressemble. Donc là, on est sur une black box, donc faite avec l'Odino 3 pouces, évidemment. Euh, on a 1 minute 30 de vol et voilà, on voit le profil du vol en dessous. Il y a pas mal de pompage de gaz. Euh, voilà, c'est un, un vol relativement euh, représentatif relativement d'un vol freestyle euh, classique. On va regarder la répartition du bruit sur euh, le Roll, pour commencer. Voilà, on va se mettre en plein écran pour bien en profiter. Donc vous voyez, c'est euh, ben, excessivement propre, Mais excessivement propre. Hein. Euh, on n'a rien, a... c'est le signal non filtré, hein. on n'a rien jusqu'à euh, ouais, jusqu quasiment 300, 300 Hz. Et là, il n'y a quasiment rien à filtrer en fait, hein, concrètement. Euh, on va regarder sur le, le pitch, à quoi ça ressemble. Et sur le pitch, c'est pareil, on a un soupçon de bruit un peu plus tôt, mais ça reste euh, super clean. Hein, le filtre, là, il a quasiment rien à nettoyer. Et enfin, euh, le yo. Non, le yo est un tout petit peu plus noisy, mais pareil, ça arrive dans des fréquences assez élevées, et ça, c'est un jeu d'enfant euh, à filtrer. Pour info, moi dans mon, dans mon Geno euh, 3 pouces, j'ai mis une stack hein, parce que je préfère, euh, je préfère les stacks. Je pense que c'est certainement aussi un petit peu plus propre. Malgré tout, hein, Olivier et, euh, et Mathieu Motar je sais qu'ils ont, euh, ont monté des AIO et ils ont quand même des, des bons résultats aussi hein, en termes de black box. Donc euh, voilà. La stack ne fait pas tout la stack aide un peu. Mais euh, même avec une IO, euh, les Blackbox restent euh, tout à fait propres. Si vous voulez en savoir plus sur mon build en particulier, euh, je vous mettrai dans la description le lien vers la fiche drone build où vous retrouverez euh, toutes les informations nécessaires. Il y a des photos, il y a des explications, il y a encore un peu de black box et il y a la liste de tous les composants. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Autre avantage de l'Unibody, en plus de la facilité du montage, c'est qu'on n'a plus besoin de middle plate et les bras ne bouffent plus d'espace en hauteur à l'intérieur du bus. Donc ce qui permet de mettre une stack à la place d'une IO si on le souhaite. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait euh, dans mon build, j'ai mis une stack. Avec des bras séparés, hein, on aurait été obligé de mettre les bras... Sous le bus pour pouvoir euh, continuer de placer une stack à l'intérieur du bus. Mais ne vous inquiétez pas si vraiment vous êtes allergique à l'unibody malgré mes beaux discours, le Geno se décline en plusieurs versions qu'on va passer tout de suite en revue. Donc une première version, Toujours en 3 pouces, mais en plus light. Euh, on reste sur du 4 mm d'épaisseur au niveau de la bottom, mais on a fait quelques optimisations pour justement euh, gagner en poids. Notamment, on a creusé quelques poches euh, sur, euh, sur la bottom. On passe aussi sur de la visserie M2 pour les entretoises. Donc, tout ça, euh, accumulé, ça permet de gagner quand même pas mal de poids. Attention quand même, les entretoises M2 sont vraiment beaucoup plus difficiles à trouver que, que les M3 une version 3,5 pouces, toujours en unibody existe, alors elle, Petite, petite précision, les hélices sont légèrement visibles dans le retour FPV. Alors c'est infime, on voit juste, le, juste le, les tout petits bouts des hélices. Si on met des hélices noires, elles seront pratiquement invisibles. Mais voilà, je préfère, je préfère vous le dire pour éviter les mauvaises surprises. Ensuite, on a des versions à bras séparés pour ceux qui ne veulent vraiment pas entendre parler de l'Unibody. Donc en 3 pouces et en 3 pouces et demi. Attention, comme on l'a évoqué tout à l'heure, on commande fortement l'utilisation de FC IO parce qu'une stack aura quand même de mal à rentrer dans ces versions avec des bras à l'intérieur du bus. Pour info euh, la version 3,5 pouces c'est la seule déclinaison qui n'a pas été euh, testée en tout reste on a pu tester celle ci on n'a pas pu euh, toutes les autres on les a testées et on a aussi testé la stabilisation en O3 que ce soit la stabilisation intégrée ou la stabilisation via Giroflow euh, on avait idée que tout ça fonctionnait bien donc, la version 3,5 pouces à bras séparés, c'est la seule qu'on n'a pas pu tester. Enfin, il existe une version 4 pouces, mais qui n'est pas de nous. Euh, c'est un remix qui a été réalisé par Alain. Alors, pas Alain F que euh, beaucoup connaissent, mais Alain de Moto École Weber. Il en est très très content. Il a partagé ses plans également sur une page Printables. On vous mettra le lien dans la description. Malgré tout, la version 3 pouces classique Unibody reste ma chouchoute pour son FOV complètement dégagé, sa solidité maximisée et son plus faible encombrement. Comme pour le Geno 5 pouces, vous retrouverez une page printables qui regroupe toutes les infos imaginables concernant ce châssis. Le lien sera évidemment dans la description. Pour ceux qui connaissent la page du Geno 5 pouces, vous ne serez pas dépaysé, hein, ça ressemble beaucoup. Euh, vous retrouverez bah, des photos, euh, un plan assez complet, une présentation rapide, un lien vers la déclinaison euh, 4 pouces qui a été réalisée. Par Alain donc vous aurez juste à cliquer ici pour euh, retrouver sa page. Je vous laisserai la regarder en détail. Vous retrouvez ensuite les specs, quelques infos sur les différentes déclinaisons, euh, des infos pour la découpe, le matériel, des euh, astuces concernant le montage et euh, des extraits de vidéos complètes. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous voulez avoir des voiles un peu plus complets que ce que j'ai mis en début de vidéo. Et enfin, comme pour le 5 pouces, on retrouve une rubrique TPU par la communauté. Et cette fois-ci, c'est Xavier Robin qui s'y est collé. Il nous a fait un super pack de TPU pour la version 3,5 pouces du Geno. Donc, là encore, je vous laisse. Il jetait un coup d'œil, il a fait un super travail. Le Geno 3 pouces n'est pas commercialisé par DFR et pour le moment ce n'est pas prévu. Donc ne l'attendez pas à court terme dans un shop. Il faudra passer par une découpe à la demande. Mais ne vous en faites pas, Eric de CNC Drone 91 et Jérémy de CNC du pays sont à votre disposition. Ils connaissent le châssis sur le bout des doigts et sauront vous guider. On vous mettra d'ailleurs les liens vers leur page Facebook dans la description de cette vidéo. Concernant le prix, là encore, c'est Jérémy et Eric qui pourront vous donner un devis précis, mais à titre purement indicatif, vous pouvez vous attendre à un tarif aux alentours des 50 euros à plus ou moins 10 euros près. Je ne me souviens même plus de combien j'ai payé le mien précisément. Concernant les délais, là aussi, c'est variable, mais ils sont réactifs et sérieux, donc en général, c'est quand même plutôt rapide. Pour sortir un peu de la technique et revenir à des considérations plus pratiques, si j'ai vraiment flashé pour ce quad, c'est pour trois raisons bien particulières. Tout d'abord, c'est sa polyvalence. Vous l'avez vu, hein, il peut faire du freestyle, de la prise de vue cinématique à la montagne et même aller taquiner du bandeau. Bien sûr, il n'aura pas l'autonomie ni la résistance d'un 5, 6 ou d'un 7 pouces, mais il permet quand même de ramener quelques images bien sympas. En bandeau, il n'a peur de rien. Son faible poids et son inertie toute relative le rendent plutôt difficile à casser. Par contre, il y a un défaut dont je suis obligé de vous parler. Ça concerne ses petits moteurs. Euh, qui ont une monture d'hélice hantée et qui nécessitent utilisation de deux vis. Et ça, en bandeau, euh, on ne va pas se mentir, c'est une plaie, c'est super chiant vu qu'on passe notre temps à changer les hélices. Heureusement, il y a une solution partielle à ce problème qui compense en partie à cette contrainte, c'est d'avoir un tournevis électrique. Donc, en deux coups. On retire une hélice et c'est pareil pour les remettre, ça va aussi beaucoup plus vite. La seconde raison, c'est son encombrement. Je vais vous montrer deux cas d'usage bien précis. Tout d'abord pour la randonnée, j'utilise un sac à dos dédié qui dispose de sangles qui se mettent au niveau des hanches pour pouvoir porter facilement pendant de longues heures de marche mon sac à dos. Et vous allez voir, l'avantage avec ce petit quad, c'est que je fais rentrer tout mon matos FPV dans le bas du sac. Voilà, je vais ouvrir juste la poche du bas où il y a tout pour vous montrer comment s'organiser. Donc on retrouve évidemment euh, le quad, on retrouve ma radio, ensuite j'ai plein de batteries et des hélices et enfin euh, mes lunettes. Et là vous voyez il reste encore plein plein de place pour mettre encore d'autres choses. Là j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour voler facilement euh, à la montagne sans, sans trop m'encombrer. Et en plus il n'y a rien qui est visible à l'extérieur du sac. Autre cas d'usage un peu plus particulier, vous allez voir. Souvent, je pars en week-end ou en vacances juste pour quelques jours et ça me saoule de trimballer mon gros sac FPV avec les quads qui pendouillent à l'extérieur et du coup, je ne le prends pas. Et surtout, euh, si je pars en train, euh, j'ai déjà un sac à dos avec toutes mes affaires, donc ouais, c'est encore plus galère. Du coup, je me suis fait une valise sur mesure avec tout ce qu'il faut pour pouvoir voler euh, quelques jours. Dans les transports, c'est juste un bagage à main. Et si je suis en voiture, bah, c'est facile de la glisser dans un coin du coffre. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Voilà à quoi elle ressemble à l'extérieur. Il y a des valises hein, qui sont quand même. Euh, à la fois moins cher et euh, plus fine. Je voulais vraiment quelque chose de solide euh, et de robuste. Là, pour le coup, elle est étanche, ça, je m'en fous un peu. Mais en tout cas, elle est, elle est vraiment solide et de qualité. Euh, attends, on va regarder comment ça s'organise. À l'intérieur, on trouve donc tout ce qu'il faut. Mes euh, goggles 2, euh, ma radio euh, Boxer, pas mal de lipo, la batterie pour le DJI et euh, un tournevis électronique, voire plusieurs tournevis. Ensuite, on retrouve évidemment le drone hein, qui est rangé avec ses hélices. Et j'ai aussi la possibilité... De superposer euh, éventuellement deux drones, si vous voulez, en embarquer deux. Et enfin, il ne reste plus qu'à ajouter les hélices et en éparer. Enfin, troisième et dernière raison, sa discrétion. Déjà, il est beaucoup moins dangereux avec ses 200 grammes et quelques, il a peu de chances de blesser quelqu'un, mais surtout, comparé à un gros quad, il est super silencieux. Dans un parc, on ne dérangera personne, et à la montagne, c'est parfois très délicat parce qu'il y a d'autres honneurs qui sont là pour profiter du calme. Pendant mes vacances, il y a eu des spots hein, en rando où j'ai posé sortir le 6 pouces. J'étais juste pas à l'aise. Euh, il y avait des randonneurs qui étaient trop loin pour euh, que j'aille leur demander si ça les dérangeait pas que je fasse un vol, mais en même temps, euh, j'aurais décollé, ils auraient quand même très bien dans le quad et ça les aurait dérangés. Par contre, euh, le 3 pouces, il est passé tranquille. Il y a quelques années, avoir un retour vidéo HD et un enregistrement 4K de qualité avec de la stabilisation, c'était complètement utopique. Mais aujourd'hui, c'est vraiment devenu une réalité. Alors la qualité est maintenant très chouette, mais attention, je ne dis pas non plus qu'on a atteint le niveau d'une GoPro récente, évidemment. Euh, malgré tout, on est très loin des caméras split, mix ou tarsière de l'époque. Non seulement la qualité du retour vidéo est phénoménale, mais la 4K enregistrée est réellement exploitable. Sans doute pas pour des productions professionnelles, bien sûr, mais l'image est quand même objectivement plutôt bonne. Dans notre review. Sur le nouveau système DJI, j'ai parlé des inconvénients du O3, en particulier du fait que les besoins en termes de retour FPV et d'enregistrement HD sont souvent opposés. Et justement, je voudrais revenir sur les choix que j'ai fait à ce niveau. Donc, même si je filme, j'ai fait le choix de privilégier essentiellement le retour FPV en termes de réglage, et ça veut dire plusieurs choses. Tout d'abord, je suis en 4 tiers parce que c'est le format qui offre le plus grand champ de vision vertical avec les caméras DJI qui ont justement un capteur 4 tiers, et ça permet aussi d'obtenir les meilleurs résultats euh, avec la stabilisation Giroflow. Yeah. <sighs> Je sélectionne donc une résolution de 2,7K parce qu'il n'y a pas de 4K en 4 tiers. Ensuite, le champ de vision est réglé sur large pour profiter de l'enregistrement des données gyro et pouvoir faire une stabilisation en post-production. Et je n'active évidemment pas la stabilisation intégrée. Je reste en shutter auto pour m'adapter aux différences de luminosité dans le retour FPV. Je ne veux pas me retrouver dans le noir dès que je passe dans une zone un peu sombre. Je n'utilise pas de filtre ND parce que je veux un retour FPV qui soit net. Le flou de mouvement, si nécessaire, sera ajouté Post-prod, je n'active pas non plus le dessiner like qui est l'équivalent du flat de chez GoPro. Alors je perds clairement la possibilité euh, de retravailler la colorimétrie en post-prod et je perds aussi euh, les couleurs en 10 bits. Euh, c'est tant pis, hein, je trouve que le mode dessiné là qui est quand même trop, trop handicapant au pilotage. Le seul sacrifice que je concède, c'est que je règle le O3 à 60 fps au lieu de 100 fps parce que c'est un format qui est plus courant et c'est aussi plus facile de redescendre à 30 fps pour un rendu qui est plus cinématique. Je garde aussi la possibilité de faire des petits slow motion qui restent sympathiques. Côté sensibilité, euh, j'y touche pas, mais euh, vous pouvez évidemment la caper à 400, 800, voire 1600 ISO pour limiter le grain en cas de faible luminosité. Tant que ça ne vous gêne pas pour piloter. Pour du freestyle, donc sans stabilisation, la vidéo 4 tiers, c'est pas très exploitable, on est d'accord. Du coup, moi je passe tous mes rushs dans la moulinette Fake Superview à laquelle on a ajouté une étape pour gérer les fichiers du O3. On vous mettra un lien euh, dans la description de la vidéo si euh, ça vous intéresse. L'inconvénient c'est que c'est long, donc en général je lance le traitement la nuit ou pendant que je fais autre chose. Par contre, on reproduit un, un look super view qui passe nickel. Alors je sais que Mika, lui, il a une autre approche, euh, il applique une transformation à à la volée dans DaVinci Resolve. Je crois que c'est pas 100% super view mais ça s'en rapproche quand même vachement et surtout c'est beaucoup beaucoup plus rapide. Euh, j'ai pas encore eu l'occasion de tester mais si le résultat est vraiment correct, hein, je basculerai certainement aussi vers cette méthode. Pour du cinématique, je passe évidemment par Giroflow pour le moment, j'ai tendance à tout laisser par défaut mais je pense qu'on pourrait un peu réduire l'intensité du smoothing qui est parfois peut-être un petit peu fort. Alors je ne suis pas un expert du montage, de l'étalonnage ou de la colorimétrie et je vous donne juste euh, Quelques petits réglages que moi je fais avec le O3 qui je trouve euh, sont plutôt pas mal. Donc peu importe que ce soit pour du ciné ou du freestyle, euh, voilà ce que je fais. Alors tout ce qui est équilibrage, hein, basse lumière, haute lumière, etc. Ça c'est à vous de voir par rapport à, à vos images, à votre vidéo. Par contre alors, en général je trouve que les couleurs elles sont, elles sont un peu fades, elles manquent, elles manquent de peps. Donc souvent je mets un coup de couleur boost. Euh, entre, 15, euh, entre 15 et 30%. Enfin, je sais pas si les pourcents, je mets une valeur entre 15 et 30, je trouve quelque chose qui va bien. Parfois, si nécessaire, je rajoute aussi un peu de saturation, donc généralement je ne dépasse pas les 60, hein, encore une fois, avec le O3 quand on est en mode automatique. Et enfin, euh, ça c'est une spécificité si vous avez la version euh, pro de DaVinci, enfin la version, la version studio, donc payante de DaVinci, euh, j'en profite pour euh, rajouter ici du Motion Blur. Et alors ça c'est vrai que je n'en ai, euh, ai pas parlé, euh, je filme en 60 fps, par contre euh, mes edits je les sors en 30 fps, parce que je trouve que c'est un rendu qui est, qui est plus cinématique, plus, plus naturel, sauf que euh, pour le coup on perd en fluidité. Donc euh, pour contrer ça, je rajoute artificiellement un peu de Motion Blur, et pour ça, donc ici j'ai un Motion Blur, je le mets sur Better, et euh, en termes de quantité, je le mets autour de 20, de 20 ou 30, voilà. Mais ça me donne un résultat que je, trouve, que je trouve plutôt correct. Alors après avoir essentiellement parlé de la qualité du O3, je voudrais finir ce petit feedback en abordant d'autres points. Donc en 5 pouces, je vole toujours quand même beaucoup en Vista parce que il ben, y a une déformation quand même dans les O3 qui me dérange toujours un petit peu. Pour en avoir parlé euh, autour de moi, hein, c'est quelque chose euh, qui est un peu gênant quand on a un parc de machines plutôt mixte et qu'on change fréquemment entre Vista et O3. Ceux qui ont complètement fait la bascule vers le O3, s'ils sont très bien habitués. Autre gros point fort du système auquel je n'avais pas spécialement prêté attention lors de ma première review c'est la pénétration du signal. Alors on sait qu'elle est meilleure évidemment, mais il y a quand même vraiment un gros gap euh, entre le O3 avec des Google 2 et toutes les autres technos du marché. J'imagine que ça vous le fait aussi, mais perso moi le lien radio euh, à part en mid range et encore euh, j'y fais vraiment plus attention, j'ai jamais de fail safe et c'est vraiment devenu quelque chose de normal. Et bien là maintenant avec le O3 et les Google 2, hein, je retrouve la même sensation, c'est pareil, je me préoccupe plus vraiment du lien radio, c'est juste que ça marche et que ça bouge pas. Je précise aussi hein, que je suis toujours avec les antennes stock sur les Googles 2, euh, alors qu'avant, euh, sur mes V1, j'avais les Omni Singularity de rc couplés avec les patchs de E-Flight. J'avais aussi été étonné du choix de DJI de ne plus donner accès au réglage de la puissance et de proposer une option de sélection automatique des fréquences. Euh, bon, finalement, ça marche super bien et ça simplifie vraiment la vie. Dernier point, les lunettes, donc les Googles 2, euh, je me suis complètement habitué hein, aux écrans LED, le, le rendu est vraiment, vraiment magnifique. Euh, D'ailleurs, ça m'a fait drôle, et pendant longtemps, j'ai retesté mes V1 et j'avais comme une impression de retour vidéo qui, qui saccadait un peu, comme si j'avais une perte de fluidité dans le rendu. L'encombrement, euh, c'est évidemment aussi un gros plus. Hein, je pense que vous l'aurez compris en voyant mon sac de rando et euh, ma valise tactique, comme dirait Motar Geek. Concernant le confort, j'ai laissé pratiquement une centaine d'euros dans les différentes mousses. C'est n'importe quoi. Je crois que j'ai testé à peu près euh, tout ce qui existe sur le marché pour au final toujours revenir à la mousse stock malgré quand même euh, les entrées de lumière que j'ai sur le côté, mais qui finalement ne me dérangent pas pas tant que ça, une fois en vol. En tout cas, c'est moins pire qu'avec les autres mousses avec lesquelles j'avais soit euh, soit malonné, soit je voyais plus les bords ou les coins parce que du coup ça reculait trop mes yeux euh, des écrans. Mais au moment où j'enregistre cette vidéo, donc là on approche de la mi-août, je viens tout juste de commander une énième mousse. Alors d'après les premiers retours, elle se rapprocherait enfin de ce qu'on avait avec la mousse confort pour les V1 et pour les V2, c'est-à-dire qu'elle boucherait bien les entrées de lumière sur les côtés euh, sans faire malonné et tout en gardant les yeux euh, assez proches des écrans. Donc on verra ce que ça donne, en tout cas je croise les doigts pour que ce soit la bonne. On arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, un immense merci à Olivier alias Nochamo pour son formidable boulot sur cette frame. Merci à tous ceux qui se sont lancés dans des builds de Geno 3 pouces, 3 pouces et demi et 4 pouces. On en a vu popper plein sur les pages Facebook d'Eric et Jérémy et forcément, ça nous fait vraiment plaisir. Enfin, merci à Alain et Xavier qui ont partagé leur travail lié à ce châssis. Vous l'aurez compris, je suis complètement conquis par ce petit quad et je trouve que l'alliance de ce format avec... Le O3 donne un super résultat. On peut enfin avoir des petits drones légers, discrets, qui restent quand même assez puissants, qui sont solides et surtout capables de ramener de belles images stabilisées. Ou non. Pour les réglages du O3, vous l'avez vu, j'ai tendance à privilégier un peu plus le retour FPV par rapport à l'enregistrement, mais bien sûr, libre à vous de faire autrement si vous préférez sacrifier du confort de pilotage pour avoir un peu plus de souplesse au niveau de la post-production, par exemple. On espère que ce format, qui est un peu un mix entre de la présentation et un retour d'expérience, vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et à nous laisser un pouce bleu si le cœur vous en dit. À bientôt. C'était Jérôme pour oui A FPV.